ça tourne, je me co. Youpi, ça tourne. Salut les amis, salut Melocum, tout va bien. Ici Solar et Tanker. Tanker, tu apparais sur l'arbre que je voulais piocher. Muha. Donc nous sommes sur Terraria. Et. Terraria, un jeu de Relogic d'ailleurs. Et encore un terrain accidenté. Oui, ça fait la deuxième fois qu'on tourne, on a eu un problème. C'est bon. On était mieux. Comme la lèpre. Merci Fraps. Et ces fichiers temporaires et ces fichiers de 4 gigas. Voilà, donc Terraria, un jeu de. Un Minecraft en 2D. Et comment c'est la 2D, c'est le bien. Minecraft, uniquement à la base, hein, Minecraft. Disons oui, que c'est... le principe, c'est le même, c'est de la survie au début. Mais Terraria est beaucoup plus axé aventure. Ouais, pas faux, un point de tanker. Allez, ça y est, on fait les comptes. Là, je suis en retard. Non, je n'ajouterai pas de compteur de points. Bon, fiche, en tous les cas, c'est toi qui monte. Donc, ah oui, j'ai ma vieille dague. Tiens, au fait. Oui. Tanker, je te rends la dague que tu as utilisée pour le début du tournage. Je suis diabolique. Première chose que je fais, c'est le virer. Je t'ai parié en plus qu'il y a un malus de 3 km dessus. Bien vu, c'est la mienne. Ah ok, d'accord, et t'as gardé la mienne qui n'était pas si mal que ça pour le coup, c'est ça? C'est ça, la tienne avait un bonus de 2%, je sais pas quoi, moi j'avais un malus de 15%. Je te raconte pas l'histoire. Ah ouais, d'accord, carrément. Donc le but de ce let's play primo, c'est de vous apprendre à jouer à Terraria. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, il y a des problèmes techniques. Ça commence bien, dis donc. Ah oui, tu me connais, moi je suis Rambo. Hey. Ah, ça y est, et je reviens. Ça y est. Oui. Donc, voilà, c'est bon, c'est beau. Oh putain, et l'autre il me poignarde, ça y est quoi. salut, ça va? Magnifique. Garde tes forces pour les... Quoi? On tourne? Ah, putain oui, ça fait 5 minutes qu'on tourne. Bon ben re les amis, excusez-nous de cette légère coupure, des problèmes techniques. Eh oui, dès que j'arrive, moi je stab. Je suis vicieux. Donc je disais, le but de ce let's play sera de vous apprendre à jouer à Terraria, de vous faire rire, et de vous faire rire. Tiens, deux fois plus. Pourquoi? Parce qu'on est deux. On va pas se partager la tâche. Tu te relances pour... Ah ouais, t'es comme ça, toi, tu t'arrives, tu skates direct les urnes. Enfin les urnes. Oui, bah attends, il y a 76 de cuivre, je vais pas les yer dessus moi. Non mais oh. Ok, ça y est, tu te fais de l'argent. Eh, toujours. Ah, 90 de bois, je pense que je vais commencer à faire un établi. Donc Tanker, viens ici, on va apprendre à faire un établi. Attention, échappe. C'est fait. Ah, le menu. Donc dans le menu, vous voyez... Solar. Oui, je sais, y'a... Tiens, cru. Aïe, ça le bait. Il va mourir. Mais moi, j'ai pas encore d'arc. Voilà, oui. Merci. Donc, alors. Voilà. Donc, vous voyez l'inventaire. C'est déjà la toolbar, donc la barre des outils. Donc, avec Tanker, ce que vous voyez, donc là, vous voyez peut-être la dague qu'il a peut-être jetée, la pioche, la hache, et toutes les merdes qu'il a ramassées. À gauche, vous voyez l'argent, avec donc l'argent qu'il a ramassé. Sûrement que brick. Les balles, ammo, en anglais. Donc c'est là où vous mettrez les balles en plomb, les balles en flèche, tout ça. Les projectiles. Bien vu. Après, donc à droite se trouve la barre des équipements. Donc si ton cœur passe la souris dessus, vous voyez helmet, shirt, pants et accessories. Donc il y a le social et l'équipe. Équipement, bah, c'est ce que vous serez réellement équipé, et social, c'est ce qu'on verra. Donc en gros, vous pouvez mettre le truc tout moche en équipement et mettre en social la tenue des Power Rangers. Hell yeah. Après, les accessoires, ce sont des choses très jolies, très agréables, qui vous permettront d'avoir des bonus, pas des moindres parfois. Après, donc vous pouvez les élever, les équipes. Donc là, c'est les petits boucliers ou les petits badges, enfin ce que vous voulez, la couleur. Par exemple, là, ton cœur est en rouge, je suis en rouge, donc là, l'effet des équipes, ça fait que... Donc là, vous voyez donc apparaître Solar avec mon compteur de PV normalement, parce que je suis en train de me faire bousiller par des slimes. Mourez tous!
Slime, c'est les petites boules vertes. Ça, c'est comme dans Minecraft, ça bouge pas. Aïe, arrête de me taper. Ça me... Je vais mourir. Ouh. 47. Ah, ça va, tout va bien. Ah, toi, t'aimes bien les slimes. Toujours, tu sais, moi, c'est mon grand amour, autant que les lapins. Allez, hop. Et au moins, le guide, lui, est en bas. Il viendra pas nous embêter, il peut pas sauter. Ah, c'est une bonne journée. Je sens que je vais me débarrasser du guide. Avant de commencer à masquer les PNJ, il y a moyen d'aplatir le terrain avec moi, s'il te plaît. J'arrive, je remonte parce que ce terrain-là est mal foutu. Est-ce que faire le marble Ouais, d'accord, mais il faut aussi... Oui, prévoir notre... Donc c'est bon, voilà, maintenant on tourne. Redésolé tout le monde, bordel de merde, c'est une nouvelle coupure. De nouveau, frappe ceux qui me plantent à répétition. La nuit tombe tout petit doucement, on n'a encore rien fait, on est censé avoir un abri. Toutes mes excuses, je monterai avec Sony Vegas. Maintenant, donc... c'est l'heure, si tu pouvais m'aider. Oui, je suis en train de faire. C'est, en fait, effectivement. Il y a Fraps qui en fait métallise un peu ta voix de temps en temps. Là, ça va beaucoup mieux. Mais au début, c'était reparti en mode robotique. Oh non, de Dieu. Enfin, oui. Calme, zen, sourire. Smile. C'est comme ça moi. Qui est beau, sourire. Allez. Quand il y a un fail, hurle de rire. Tu vas voir, tout le monde te prendra pour un abruti. Exactement. Bon, est-ce que, en attendant, on n'a toujours pas fait un pet craft. Je vais voir si on peut faire des torches. Je vais en faire 2-3. Voilà. Donc, alors, explication à nos chers amis. Une torche. Primo, c'est le craft dans Terraria. C'est comme dans Minecraft. C'est la vie. Oh. Alors, maintenant, donc, là, le craft. On va vous expliquer une chose bête. Dans Terraria, le craft, en fait, le craft se fait... ça on passe pas avec la forme, donc comme dans Minecraft, mais juste avec l'objet. Par exemple, si vous avez du bois, vous pouvez faire tous les objets en bois que vous voulez. Sous prétexte que vous avez ou que vous ayez, comme dans Minecraft, ce qui correspond au bench. Dans Terraria, l'atelier. Ce qui est en fait un bench, mais en plus beau. Parce que nous, il ressemble vraiment à un bench. Et donc, tanker, rapproche-toi, je vais torcher juste un petit peu. Ah! Je vais torcher ici, enfin voilà. Ouh. Tu sais, m'escorter aussi, parce que moi avec une pioche j'irai pas loin avec ces salopes. Ouais, vas-y. Merci bien. Je vais commencer à faire l'abri. Il est plus que temps là. Ouais. J'ai besoin de pierre, dis donc, il y a du fer ici en plus. Tu introduirais pas vite fait le fer un petit peu, les ressources. Oui. Ce que je vais faire d'abord, c'est me débarrasser des zombies avec ma tac de merde. Ah putain, est-ce que tu peux me faire une épée vite fait? Enfin, dès que je les aurais tués. Non. Mais si. Ou sinon, essaie de le retenir le temps que je fasse une épée vite fait. Épée, allez, bouge. Donc il faut juste avoir le matériel nécessaire. C'est-à-dire que là j'ai utilisé du bois et maintenant j'ai une épée. Oh putain, j'ai une épée pourrie. Oh, c'est pas grave, t'es un barbare, tu sais, t'es débrouillard. Donc attends, quoique. Ouh. En fait non, c'est juste que je les enverrai moins loin, mais je leur foutrai la misère. Tiens, tu recules moins, mais tu vas le sentir passer. Parce que j'ai une épée en bois. Et va mourir. Ah merde. Ouais. Casse-toi. Voilà. Merci, ton cœur. Donc, alors, attends, 3 secondes. Ah oui, c'est vrai qu'il saute. Oh, c'est con. Allez, vas-y. Donc, alors, le fer, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est comme dans n'importe quel jeu. Il y a des minerais. Ici, le fer. Le fer, c'est le bonheur. C'est ce qui correspond au fer, ce qui permet de faire du métal. Et donc, des trucs plus polyvalents, plus intéressants, plus puissants et tout ça. Donc, pour ça, il faut une pioche. La pioche que vous avez de base. Et oui, ici, on nous offre le truc de base. Note intéressante. Ici, la torche illumine quand on la tient en main. C'est con, mais c'est vraiment pratique. Tanker, devant toi, je sais pas, voilà, je peux. Ah, il y a encore des yeux. Voilà. Oui, le bestiaire, il est quand même assez intéressant, mais alors eux, ils sont vraiment. Je devrais me faire des flèches. Je vais me faire un arc et des flèches. Mais, vas-y, fais. Il faut de la pierre. Bah, c'est pas comme si t'avais pas de la pierre à côté, hein. Ben oui. Donc voilà, je m'y mets. Vas-y, donc oui. Donc le bestiaire est beaucoup plus conséquent, on a les zombies, on a les yeux, on a les slimes, les abeilles, on a les poissons, les piranhas, les crabes, les requins, les saloperies qu'on trouve dans la corruption. Bah ne spoil pas tout, hein, la corruption ça c'est pour plus tard.
C'est un avertissement. Enfin, ouais. T'as raison. On va éviter d'en parler. Vous verrez donc plus tard ce que c'est la corruption et vous allez hurler. Je crois que c'est surtout moi qui vais hurler oui, face à cette saloperie. Oui, c'est nous qui allons hurler en fait. Oui. La corruption, c'est pas bien. Allez. Ah, mourez zombie. Ah, je spam mon clic. Je hais le bois vivement que j'ai autre chose que du bois, c'est-à-dire du cuivre. Et pour ça, il faut miner. Donc, oui. Vous avez aussi remarqué que nous avons des skins différents avec Tanker. Ça, c'est, vous allez vous dire, ouais, c'est comme dans Minecraft, ça vient de là. Oh, un marteau. Oui, oh, joli esquive. Je suis un barbare, je suis un ninja. Donc, non, en fait, là, nous avons créé un personnage. Et il faut savoir que ce personnage, c'est lui et lui seul qui aura l'équipement. Donc, en gros, si je me déconnecte, ce que je ne ferai pas de suite, enfin, je le ferai en plage. Première mort! Hell yeah! Première mort, allez vite! Cours! Reviens, je peux tenter de mourir! Oups! Ouais, là donc. Oh, mais il restait un point de vie, dis donc! Je lui ai juste mis ma piège dans la gueule et. Il est très. Creux! Hop là! Donc voilà. Donc, je suis tout perdu, mais ouais, il faut juste que j'aille me refaire un peu de pierre. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir le. Je vais faire une porte et finir notre enclos. Enclos. Non! Un œil. Bon, fou. Dégage. Désolé. J'ai rien eu. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas l'épée qui fait clic automatique. Bon, alors donc je disais quoi? Je crois que je parlais de je sais plus quoi. Ah oui, des skins. Donc c'est le personnage qui détient le truc. Donc si je me déconnecte, c'est le bon, ça reste dans mon inventaire. Il y a aussi trois modes de difficulté, le mode soft, le mode medium et le mode hard. Donc le truc, en mode soft, quand on meurt, on ne perd pas nos équipements. Ce qui est vraiment, vraiment agréable. En mode medium, on perd les équipements dès qu'on meurt. Ça veut dire que sérieusement, vous n'avez pas intérêt à perdre. Et ça, c'est vraiment tendu. C'est vraiment tendu. Voilà. Je vais piquer ton cœur. Ah, une étoile. Ah, bah tiens, une étoile. Alors, explication, sur Terra, il y a des choses qui tombent, et oui, ça tombe, et donc il y a les étoiles qui tombent du ciel, c'est que c'est des petites comètes. Et donc, les étoiles vont nous servir à plusieurs choses. La première et la plus remarquable, à avoir de la mana. Ouais, on peut faire de la magie, et ça, c'est juste trop pété. C'est vraiment agréable, et c'est... Donc après beaucoup de systèmes utiliseront beaucoup d'objets utiliseront ce système de mana qui fait que ça va vite devenir à moitié indispensable. À moitié parce que pour des raisons de RP, Tanker sera l'archer et moi le barbare. Pourquoi ça? Parce que je trouve ça épique et que j'ai toujours aimé Conan. Hey, moi je me mouille pas moi, distance. Ça tu te mouilles pas, tu vas mouiller ton froc dès qu'on va arriver dans la corruption. Cette blague était nulle, était offerte par Solar. Yes! Ils ont tué le guide! Oui! Ryan Wasline, effectivement, je me suis dit, tiens, Solar qui est. Ah, mais non. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Nous sommes sauves, Tanker! Et j'ai torché, évidemment, dans le vide. Non, je vais mon marteau. Donc, il y a plusieurs outils. La pioche qui permet donc de miner les minerais, c'est une répétition intéressante. Le marteau qui permet en fait de miner le mur de derrière. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Ben tout simplement éviter que les monstres nous spawnent dans la gueule. Et je viens de couper les lumières, excuse-moi. T'inquiète pas, j'ai ma bougie. Donc on a mis des portes, hein, c'est pour éviter que ça rentre. Parce ouais. Que oui, il frappe à la porte, mais il rentrera pas, du moins pas avant une potentielle lune de sang. Je t'ai eu. C'est surtout moi qui me suis fait avoir là. Attends, mais ah, pourquoi j'ai pas de recul? Pourquoi t'as pas de grenade? Oui, les grenades. Oh. Oui, il y a des grenades en Terraria. C'est pique, hein? Ça vous donne envie? Enfin, moi aussi. Solar. Je dois... Oh merde, j'ai manqué de dégamer la porte. Ouais, voilà, je termine juste ceci et voilà, c'est bon. Ah! Donc je vais créer. Ah oui, Tanker va à côté de l'atelier. Donc vous voyez, l'atelier offre des possibilités de craft qu'on n'a pas si on s'en éloigne. Donc là, on peut faire tout en bois. Si Tanker s'en éloigne, par exemple, il n'aura plus les possibilités qu'il aura. Il y a une possibilité de craft qu'on a à côté, c'est les wood walls.
Et là, là, c'est magique. Donc on en fait quelques-uns. T'as ça... de la pierre sur toi? Pas de pierre, non. Pourquoi? Ah, tu veux faire en pierre, ça? Pas spécialement, non. Je demandais juste si t'en avais. Oui, si t'as du bois, c'est encore mieux. Donc en bois. Eh, mais il tape à la porte, hein. C'est Sacha, hein. Donc alors, Radé, donc c'est ton cœur, tu me vois. Être persévérant, c'est bien, hein. Même quand on est con. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais poser des murs. C'est des murs d'arrière-plan. Ce qui fait que ça va, c'est de suite, ça va paraître plus chaleureux que la belle étoile. Et les PNJ, ils aiment ça quand c'est chaleureux. Donc si on leur met tout pour vivre, ils viendront. Y compris le guide. Tout pour vivre inclut un petit peu de lumière, une chaise et une table. Alors ils sont contents. C'est tout. Oui, ils sont pas très compliqués. C'est agréable quand même. De pas être compliqué comme ça. Bon, note intéressante, il faut vraiment en faire beaucoup parce que ça bouffe, un mur ça bouffe. Tiens, hop. Allez, je vais faire plus. Je te demande pardon. Rien, j'ai oublié la touche qu'il faut utiliser pour faire tout, utiliser tous les matériaux. Donc là, si la musique est assez forte, vous entendez un changement de musique. Qui dit qu'on passe au jour. Oui. C'est dur ce qu'il n'y a pas dans Minecraft d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est clair. Oui, on fait plein de références à Minecraft. C'est pour expliquer à quel point Terraria, c'est le bien. Donc là, j'ai déjà plus de murs. Waouh, waouh. T'inquiète, je te ramène du bois. Ça bouffe tout ce truc. Oh, punaise. Et mâche, franchement, mais elle est triste. Oh punaise, j'ai hâte de m'en faire une autre parce que là... Ta hache, ouais, bah, t'inquiète pas, c'est le début. Dès qu'on aura trouvé du cuir, c'est-à-dire dès qu'on sera parti à l'aventure. Mourrez tous, mais laissez ton cœur. Voilà. Donc là, j'ai replanté des glands. Oui, parce qu'ici, on replante des glands, on replante pas des pousses. Je trouve ça plus logique, d'ailleurs. Bah, les pousses, ça peut marcher, mais pas dans tous les cas, en fait. Ouais. En vrai, je veux dire. Oui. Je peux pas. Ah oui, c'est vrai qu'il faut. On ne peut planter que quand il y a de l'herbe. Donc là, il y a les slimes. Le slime. Tant qu'il ouvre la porte. D'accord. Je comptais faire un truc classe, genre tout la porte et j'entre, mais non, ça marche pas. Mais j'ai sprinté directement, mais bon, j'ai pas encore les bonnes bottes. Ouais. Oui, parce que je vous expliquais les accessoires. Il y a des bottes qui permettent de faire un vrai sprint et de courir aussi vite que Sonic. Dans Terraria, ouais, j'insiste, hein, vous allez pas dépasser Mac 1. Mais c'est stylé. Alors on le veut pas. Mais zut alors, tu sais pas faire une chaise? Bah il faudrait du bois, ce que je n'ai pas. Ah juste. Du coup j'ai fait une table, j'ai plus de bois non plus. Enfin, t'inquiète, plus assez. Et je l'ai eu. Donc oui, donc là on finit notre petite maison, le guide va venir, va rentrer à la maison, il sera happy, 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 et après on ira vous faire de la grotte. Enfin, on va chercher. Oui. L'aspect le plus intéressant de Terraria selon moi quand même. L'aventure, le goût du risque. Et déjà une tombe, c'est vraiment géant. Je vous embête, c'est quand même ma spécialité, mourir. Avec dire des bêtises, mais je pense que les deux sont liés. Hop là. Donc, une chaise. Qu'est-ce qu'elles sont moches les chaises, bordel. Punaise, oui, c'est ce que je voulais dire, punaise. C'est pas crédible. Ok, tu la mets juste à côté de la table, et ce sera juste, et ce sera bon. Tadam. Quelque chose me dit que c'est pas cette torchée. Non, mais attends. Il faut le temps d'arriver, l'autre, hein. Non, mais c'était juste pour avoir une torche ici parce que ça me semble un peu sombre. Ah, ouais, bah écoute. Plus tard, il y aura des fenêtres, donc. Ah, les fenêtres. Tous ces genres de choses. Bah, comme c'est beau. Terraria, c'est vraiment un jeu complet, c'est ça qui est agréable. Parce qu'on peut tout faire. On peut faire des portes, on peut faire des tables, on peut faire des. On peut des faire WC, des baignoires. Des fusils. Ah, bah voilà. Le guide est revenu, donc voilà. Il est sorti de sa dépression. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais sérieusement, ce guide me saoule. Ah, te saoule? Moi, il m'a rien fait.
Oh, mais sérieusement, quand il se place juste devant toi, pile au moment où tu veux faire quelque chose, il devient gonflant. Ton cœur, ta précision est juste mortelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va se chercher une petite grotte ? Je parviendrai pas à te refuser ça longtemps. Moi, il me faut du fer. J'ai tué un lapin. Mais arrête de massacrer la faune et la flore, un bordel. Vis en harmonie avec la nature. Oui, mais non, c'est ça. Ce silence qui veut tout dire, ce silence. Après, je t'ai volé. Un slime bleu. La différence entre les slimes bleus et les slimes vertes ? La taille, le poids et la puissance. Oui, parce qu'il y a une relation de proportion entre les deux. Oh, slime ou lapin, slime ou lapin, slime ou lapin, lapin, la lapin. Et je laisse ton cœur mourir. Oui. Mais c'est pas grave, je viens de me faire un petit... Je me suis refait une santé, je suis tombé sur des urnes. Enfin, des urnes. Ton cœur vient ici. Yep. Nous avons un nouvel élément de gameplay, le tournesol. Ouais. Non, mais c'est important. Le tournesol, en fait, bon, outre que c'est une jolie fleur qui vous permettra de faire des trucs de déco incroyables, et surtout, ce qui va... Un suicidaire, tiens. Slime Ninja. Bon, ça va vous permettre de vous protéger de la corruption. Corruption que nous verrons plus tard. Enfin, j'espère le plus tard possible. Ouais, pas pour le moment, pas tout de suite. Hein. Bah, tant que je serai pas équipé... En fer. Oh, encore des slimes, punaise. C'est comme la peste, il y en a partout. Bon, l'avantage quand même, c'est que les slimes, ça offre la glu, enfin la glu, c'est quoi ? Non, la jelly, le gel. Le gel qui permet de faire, curieusement, des torches. Oui, je sais pas ce qu'ils ont pris quand ils ont décidé ça, mais c'est toujours intéressant. Donc le gel, qui pour l'instant, voilà, c'est juste pour faire les torches, mais qui plus tard devient en fait l'outil de la vie quand ton cœur aura débloqué son arme chouchou, favorite et... Ah ouais. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Ah ça, oui, on reste évasif parce que quand vous le verrez, vous allez dire what the fuck. Ah si, ton cœur, mais si, j'ai obtenu une chose vachement intéressante. Des grenades, hein. Parle pas de bonheur, non. Une potion. Ah ouais, bah c'est pas la première que j'ai, hein. Mais sinon, oui, évidemment, la potion c'est la vie, hein, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Parce que là, c'est pas une potion de vie que j'ai eu juste avant. Parce qu'il n'y a pas que des potions de vie, c'est ça qui est intéressant. Il y a des potions qui ont des effets riches et variés, effectivement. Inversion de la gravité, augmentation de la défense. Note intéressante, inversion de la gravité, c'est juste trop fun. Ouais. Surtout quand tu tombes. Aïe. Bon, là, on descend dans une grotte, mais il y a quelque chose qu'il faut surtout pas oublier. Cela ratue du bois. Nope. Et toi ? C'est tout. Un petit peu, quoi. C'est-à-dire 3000 stacks ? Attention ! Ah, je pensais qu'elle allait atterrir derrière moi, la vilaine. Bon, bah tant pis. Hop. Ah, est-ce que tu peux... Ouais, oh putain, j'ai... Enfin, punaise. Ça y est, le stress, il monte déjà, hein. Explication. Une chute est mortelle, hein. C'est comme partout. Le truc, c'est que si vous faites une chute... Voilà, j'ai étudié tout, mais là, j'ai tous mes trucs en bois... Si vous faites une chute... Parfait. Si vous faites une chute à cause d'un slime ou autre, c'est la mort. Et ce qui est chiant, c'est que faut faire le chemin en sens inverse. Et pas que c'est embêtant, pas que c'est lourd, pas que c'est très répétitif et redondant, mais c'est très lourd, très embêtant et très redondant. Ah, je t'ai pris la pièce. Loot. Je t'ai looté. Ninja loot. Je t'en prie, de toute façon, c'est... C'est compte commun, quasiment. C'est compte commun, ouais, voilà, mais... Oui, parce que... Moi, je m'en fous, tant que j'ai du caillou, j'ai des flèches, donc... Mais enfin, bon. C'est ça. J'ai récupéré des potions de santé. Donc, il y a plusieurs moyens ici de récupérer de la santé. Il y a pas la bouffe, et la régène y est tout le temps. Mais là, il y a... Ah, un coffre ! Ah, magnifique ! Et ici... Ah, je... Celle-là, c'est... Ton oh, une lance, mais c'est pour toi, du coup. Oh, ah, je boude. Oh. Oui, on a la lance. Et là, je vais... Parce que nous... Et on a du cuivre, ton cœur. Du cuivre ? Du cuivre ! Ouais, ouais, cuivre, l'argent, quoi. Cuivre et moustache, cuivre. Non, non, les barres, en barres. Ah, oui, mais non, oui, effectivement, oui. On a aussi des bouteilles qui nous serviront pour la bière, si on fait la même. Et on a 48 flèches, quand même. C'est toujours ça de près, hein. Et toi, tu t'en vas comme ça. Ah, oui, bon, ça, c'est les flèches, je les prends. J'ai plus de torches, donc je te laisse passer devant. Ah, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Mais prends-les, les torches ! Tiens, je t'offre même le gel.
Oh merci, mais c'est bon. Avec le... non, c'est pas bon. Vas-y, envoie. Envoie les torches, je t'enfile. 44. Tiens, cadeau. Oui, ici, la notion de nombre n'est pas incluse dans... Enfin, inclus. Ah, non, oh, magnifique. Viens avec moi.